Ici, on a une route où les cyclistes doivent mettre pied à terre. Dans la réalité, on voit qu'il y a des cyclistes qui passent quand même. Nous, notre rôle, ça va être d'être là en prévention, en sensibilisation. On a des flyers qu'on peut donner aux riverains, aux commerçants. L'objectif, c'est de discuter avec eux pour connaître leurs préoccupations, savoir les problèmes qu'ils rencontrent. Et on essaie de trouver des solutions. Si jamais vous avez des problématiques à nous faire remonter, okay. On va passer très souvent. Dernièrement, ouais. Et puis ouais, voilà, il y a un numéro de téléphone aussi ou Alors, faut contacter la mairie directement. Donc c'est la... Et la mairie en fait va nous contacter. Faut pas oublier que la police municipale à Strasbourg est armée. On ne peut pas faire de la médiation avec une arme. Enfin, je veux dire, c'est pas le rôle de la police municipale non plus. Parfois, on oublie, on est dehors, on fait la fête, on sort d'une boîte, on discute un peu fort, ça résonne. Mais on ne se rend pas compte que quand on parle en bas, on peut être au cinquième étage, on entend ce qui se passe dans la rue. Nous avons mis un accent dans le cahier des charges sur la question du harcèlement de rue et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc ça sera un vrai point d'attention de ces médiatrices et de ces médiateurs pour que, notamment les habitantes ou les visiteuses de notre ville, se sentent à l'aise et en sécurité, notamment dans le centre-ville élargi.